Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez terre entière devant lui. Splendeur et majesté dans son sanctuaire, puissance et beauté. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions. Accueille avec bienveillance nos vies. Accueille avec bienveillance nos âmes. Accueille avec bienveillance le fruit de notre labeur, nous t'en prions. Et nous te prions, éternel Dieu des armées, qu'il soit sanctifié et serve ainsi à notre salut. Le salut pour nos âmes, le salut pour nos familles, pour nos nations, et le salut pour toutes ces personnes-là qui se recommandent à nos prières. Shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi en ce matin, porteur de grâce. Encore en communion de cœur et d'esprit, assisté de tous nos anges, gardiens et de tous les saints et les saintes du ciel. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce matin, éternel Dieu des armées, nous venons encore nous approcher de toi, nous approcher de ton trône tel que nous sommes, te rendre grâce également pour le souffle de vie, le don gratuit de la vie que tu renouvelles en nos âmes en ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce soleil. Nous te disons merci éternel Dieu pour ta main étendue sur chacune de nos vies. Nous te disons éternel Dieu pour ce que tu renouvelles encore dans nos vies, pour ce que tu renouvelles encore éternel Dieu, l'atmosphère et l'environnement des différents lieux où nous nous trouvons. Et en ce matin Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Et c'est en communion de cœur avec une âme que je veux te louer, que je veux bénir ton saint nom, élever éternel Dieu ta puissance, élever tout simplement ce que tu es, tes hauts faits dans ma vie. Quand bien même que je ne le mérite pas, Seigneur, je veux t'élever. T'élever parce que tu en es digne. Mon âme te loue, mon âme te magnifie. Et l'âme d'une personne à côté te dit, Seigneur, je veux te louer, je veux te bénir, je veux bénir tes bienfaits dans ma vie. Même si je ne vois pas, Seigneur, je veux bénir tes bienfaits. Je veux bénir tes bienfaits parce que ta main est toujours posée sur nos vies. Voilà pourquoi en ce matin, je te bénis. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Yeah.
Ta famille bénit le Seigneur. Ton foyer, tes enfants bénissent le Seigneur. Ta nation également bénit le nom du Seigneur. Il a fait tant de bienfaits pour nos vies. Ce Dieu-là, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu compatissant, ce Dieu-là qui s'est fait misérable pour chacun de nous, ce Dieu-là qui s'est donné au travers de son Fils, ce Dieu lui-même qui nous a encore envoyé un consolateur pour nous fortifier, pour nous consoler, ce Dieu merveilleux, ce Dieu inégalable, ce Dieu qui dépasse même l'entendement humain, ce Dieu qui dépasse toutes choses. Et ce matin, c'est ce Dieu que nous bénissons. Et avec moi, je t'invite à dire tout simplement au fond de ton âme, Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme a confiance en toi, mon âme te désire, mon âme espère en toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Et je bénis ton saint nom. Et c'est dans cet élan d'amour que je te souhaite à toi, porteur de grâce, de passer une agréable journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cet élan d'action de grâce. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.